Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack à la partie 2 du jour 18 du Dungeon of God 2021. Donc si je réussis cette partie, normalement j'aurais réussi à aller plus loin que l'année dernière, et qu'il y a 2 ans d'ailleurs, où j'avais été avec 17 et 18, je crois que je m'étais arrêté à 18.1 l'année dernière. Donc deuxième partie assez facile, ça va nous prendre beaucoup de temps, contrairement à la première partie qui nous a pris une bonne heure. Donc là ça va être juste de trouver la plus grande magnitude pour chacun des chiffres. Donc je vais le faire de façon assez bourrine je pense. On va voir max magnitude qui va prendre en paramètre max magnitude qui va prendre en paramètre un input static str tac tac tac, donc ça c'est bon, ça va nous renvoyer un U32. Ensuite on va prendre du coup sur ce max magnitude, on va faire un peu la même chose que ça. Sauf que on va map trim, ici on va faire parse de ça et on va faire let numbers est égal à vec de number par exemple point collect. Donc là on va récupérer tous les chiffres individuellement et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir ces chiffres deux fois. Alors ça c'est un peu compliqué avec Rust de parcourir deux fois quelque chose. For i in 0 .numbers.length par exemple, for j in 0 .numbers.length, je vais essayer de le faire comme ça mais je suis pas sûr que ça fonctionne. If i est égal à j continue, donc on va pas traiter ces deux chiffres différents. Let a est égal à numbers i, let b est égal à numbers j, let magnitude magnitude est égal à magnitude de add and reduce a b. On va retourner 0 pour pas qu'il nous embête sur le fait que ça renvoie pas la bonne chose. Et si je fais un clone, je vais faire un clone ici, je vais pas m'embêter, je pense. Ok, donc on fait notre magnitude qui est la somme truc, et puis on va faire du coup let max est égal à 0. On va partir de 0. Et on va dire if magnitude est supérieure à max, dans ce cas là max est égal à magnitude. Je sais pas pourquoi il est surligné. Hop, let mute max, et là on renvoie max. On va quand même faire un petit test qui est 3993 normalement. On va vérifier ça tout de suite dans nos tests. Donc c'est assert équivalent de quelque chose virgule max magnitude de ça. Oula, je sais pas ce que je fais avec mes curseurs actuellement. Donc ça, tac tac tac. Et la max magnitude c'est 3993. Un point virgule à la fin quand même. Hop. Donc cargo test bin 18. Donc c'est passé, donc ça veut dire que c'est bon résultat. Et du coup, pour ma partie 2, je n'ai juste à faire. Oups. Tac. println part tout, et là ça va être max magnitude de pas add lines. Je pense que c'est tout du coup. Tac tac. Cargo run bin 18. Oh, c'est long. Je m'attendais pas que ce soit si long. Bon, c'est quand même instantané si je le mets en release du coup, parce que en debug il y a pas mal de tests supplémentaires qui sont faits. Donc 4667. Et on a bien une 36e étoile. Donc voilà, deuxième partie assez facile comparée à la première. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2021.